Félix Tshisekedi sera absent ce vendredi 2 août à la commémoration du génocide congolais à Kisangani. Selon Ouragan, le chef de l'État congolais ne s'y rendra plus pour raison de santé. À l'absence du chef de l'État, c'est Judith Suminwa qui va présider la cérémonie officielle ce vendredi à Kinshasa Forum des As. Ça rapporte que la Première ministre Judith Suminwa est arrivée hier jeudi à Kisangani dans la province de la Tshopo pour la commémoration de cette journée nationale du génocide congolais pour des camps économiques. C'est une journée mémorable, souligne la prospérité. Les drapeaux nationaux seront en berne. Des cultes MS, actes d'action de grâce sont prévus à travers les pays ayant un caractère national. Cette commémoration, indique Africa News, concerne aussi les autres provinces du pays appelées à se mobiliser en vue de rendre hommage à ces millions de Congolais tués et massacrés. Patrick Muyaya, relayé par La Prospérité, a affirmé que plusieurs délégations, dont 16 membres du gouvernement, ont effectué les déplacements du chef lié de la Tshopo pour rendre hommage à tous ses compatriotes qui se sont endormis pour des raisons économiques, soit plus de 12 millions de personnes. À l'en croire, cette commémoration poursuit l'objectif de pouvoir permettre à la RDC d'obtenir réparation pour tous les préjudices causés sur son sol. La police nationale congolaise a démantelé hier jeudi une base des membres de Force du Progrès, une structure affiliée à l'IDPS située dans la commune de Ngaliema. Lors de cette opération, actualité.cd rapporte que 137 personnes ont été arrêtées, dont un des chefs de bande identifiés sous les pseudos anti-balles. Une centaine de machettes ainsi qu'un drone en mauvais état ont été saisis, précise actualité.cd qui souligne que la police a également fermé les cachots clandestins des membres des forces du Progrès. Pour la référence plus, c'est une invitation à succès intervenant au lendemain de l'attaque commise par ces délinquants. Encore des réactions après l'attaque de la résidence de Joseph Kabila. Dans un communiqué parvenu au journal La Prospérité, les FCC exigent que deux poursuites judiciaires soient engagées en procédure de flagrance contre toutes les personnes directes ou indirectement. Indirectement ou directement impliqué dans cette attaque, que des sanctions sévères soient prononcées contre les coupables afin de décourager toute récidive. En outre, le média Congo, le FCC appelle également à des sanctions sévères contre les responsables et la milice du parti au pouvoir qu'il pointe du doigt comme l'initiateur. Et puis, pour terminé, poursuivons cette revue de presse avec le Maximum qui critique la prison centrale de Makala qui, selon le journal, met en lumière les limites de l'État. Pour le journal, il faut construire une nouvelle prison à Kinshasa ou une extension de Makala pour pouvoir mener une vraie réforme de la politique carcérale. Sénat, encore un report annoncé le 7 août après un premier report. L'élection du bureau définitif du Sénat est repoussée, sine die, à la base du blocage, explique Ouragan. L'union sacrée majoritaire à la Chambre haute, la famille présidentielle doit lever le préalable lié à la répartition des postes conformément à l'article 26, alinéa 3 du règlement intérieur en présentant les candidatures aux différents postes du bureau définitif. Par ailleurs, ajoute avant de terminer, actualité.cd, les bureaux provisoires invitent les sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager les consensus autour de la répartition des postes attribués à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà déclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses de l'actualité nationale. Grande Tribune, nouveau numéro
Au menu, commémoration du Génocoste, concept, opportunités, défis et enjeux. Et puis, cessez-le-feu entre RDC et Rwanda. Quelles concessions faire de part et d'autre? Quelle analyse faire de ces deux thématiques? Nous avons ici Monsieur Henri Timbalanga, journaliste, analyste politique indépendant. Bienvenue, Monsieur Henri. Merci beaucoup, Daniel. Bienvenue également. Vous êtes cadre de l'IDPS. Ouais, merci, monsieur Daniel. Merci pour l'invitation que vous m'avez lancée et que j'ai répondu volontairement. Bien que ces derniers temps, vous nous avez trop provoqués sur Facebook. Je vous suivais de loin et c'est un réel plaisir d'être devant monsieur Henri Chimbalanga, Franchement. qui est un journaliste et analyste qui est professionnel et qui a des... Moi, quand j'ai appris que je serais en face de lui, je n'ai pas hésité. Franchement, Donc, merci merci. pour l'invitation. Alors, si vous avez une information ou les biscuits, partagez avec nous comme ça. Ouais, juste que le gouvernement provincial est connu avec des personnes qui sont compétentes que moi je reconnais. Et c'est ici l'occasion qui m'est donnée de présenter des félicitations à deux d'entre eux de la part de l'honorable Socrates Moubengaï, le ministre des Transports Bob Amisso et Mobilité, qui est l'élu de la commune de Barombo, et monsieur José Noël Cheke, qui va s'occuper du plan budget et tourisme, donc c'est-à-dire la ville de Kinshasa est tellement sale. C'est parmi ces deux ministres qui sera assis, peut-être vous voyez là, le transport dans la ville province de Kinshasa qui est compliqué et il doit réguler le secteur qui n'est pas facile, donc nous leur souhaitons tout bon vent. Et puis, par rapport au bureau du Sénat, Très bien. moi j'appelle tout le monde à l'apaisement, surtout ma famille politique qui est l'IDPS. Il faut qu'on soit lucide et sage et humble pour traiter avec le partenaire, surtout le cas de M. Bahati, qui se présente comme deuxième vice-président du Sénat. Alors, pour moi, le choix est judicieux compte tenu de son expérience. Et les autres partenaire de l'Union sacrée, donc soyons un peu humbles, parce que M. Bahati pourra amener son expérience qu'il a été président du Sénat, et c'est parmi le rat qui a remis les charrues automobiles qu'on a vu. Donc je crois que en quittant du président jusqu'au deuxième vice-président, certains disent qu'il se rabaisse, mais non, M. Hollande aujourd'hui était ministre président, aujourd'hui député national. Nous devons nous départir un peu de ça. Moi, je demande l'apaisement au sein de l'Union sacrée. Vous avez Merci beaucoup. suivi les Katangais qui ont fait une déclaration que le président de la République avait promis à Lubumbashi que Sam Alkonde prendra la présidence. Mais comment l'Union sacrée n'arrive pas à se mettre d'accord sur les décisions officielles? C'est pour cela que je dis un peu d'humilité avec tout. Moi, je suis contre M. Danny Banza. Même si cela était une promesse, il ne fallait pas venir comme ça. C'est un peu teinté du tribalisme. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette optique-là parce que le président, il vous souviendra pour le Sénat, le président a départi les gens par des élections primaires. Tel que je le connais, vous risquez aussi d'aller aussi aux primaires là-bas au Sénat parce que l'espace Grand Équateur réclame aussi sa part, l'espace Grand Katanga réclame aussi sa part. Mais du moins, pour être président du Sénat, tu dois aussi avoir la confiance du chef Très bien. parce que c'est le dauphin constitutionnel du chef de l'État avec des velléités congolais On ne sait jamais. congolaises, on ne sait jamais. Alors, M. Sam aussi a. Bien que sa gestion est un peu discutable, mais il a prouvé qu'il était fidèle et loyal au chef de l'État. De ce fait, il remplit le critère. Mais pour les autres, il faut discuter en famille et non faire des déclarations comme ça. Merci. Des reports, c'est des ordres. Bloque C'est la ça, on a, machine, la mise j'espère, en place une fois des avec M. Henri institutions. Tshimbalanga, j'ai revu encore ma vidéo. On a parlé de la loi qui est faible par rapport quant à ce, mais le côté politique, le côté humain a beaucoup joué parce que ce sont des égos. Moi, je dois être là. Absolument, si je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher. Ça, c'est le côté de la mauvaisité de Congolais. Donc, on ne parvient pas à se départir pour voir l'intérêt général, mais on voit beaucoup plus l'intérêt de sa famille politique et de soi-même. C'est ce qui est très dangereux pour la République. C'est ce que moi, je combats toujours. Parce que là, une année pour la mise en place des institutions, même. Mais quand même, la notion du temps doit être intégrée dans notre gestion. C'est trop. Ça ternit même l'image. Qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, on est au mois d'août. Le Sénat n'est pas installé. Vous voyez, c'est quand même trop, trop.
Moi, je suis de ceux-là qui demandent l'apaisement. C'est l'UDPS qui est au pouvoir, tout ça retombe sur les présidents de la République. L'UDPS est au pouvoir, mais l'UDPS n'est pas seul dans la gestion. C'est pour cela que j'appelle les uns et les autres à l'humilité et à la lucidité. De peur de ne pas frustrer certains. Non, les frustrations, il y en a déjà. Il ne faut pas en ajouter encore. Ça sera un peu trop. Et il faut, c'est pour cela que j'interpelle mes amis de l'UDPS. Nous allons refaire des alliances pour 2028, mais avec le même. Parce qu'on ne va pas changer ces gens comme ça, avec le même qui ont de grands partis politiques. Alors, il faut savoir traiter. Surtout moi, j'ai toujours plaidé. Ça, ça n'engage que moi. Allez-y. Il faut qu'en politique, nouer des alliances stratégiques, politiques. Il faut choisir des partenaires qui peuvent vous accompagner en acceptant que vous soyez à la présidence et ils pourront bénéficier d'autres choses, par exemple l'AFDC. Je n'ai jamais entendu de velléité dans ce sens-là. Pour moi, s'il devait y avoir une alliance stratégique politique, c'est avec l'AFDC qu'il faut composer. Il faut commencer et puis voir les autres. Mais si nous frustrons, parce que M. Bahati aujourd'hui, il s'est dit victime, parce qu'avec 40 députés, il se retrouve avec des ministres. C'est pas possible. Et cette injustice. Alors, ceux qui ont 2, 10, cette injustice trois... par rapport au poids de l'AFDC, moi je plaide pour ça. Je ne suis pas de l'AFDC, je suis licite dans la réflexion irrationnelle. C'était comme ça. On doit rectifier le tir quand même. Merci beaucoup, M. Joseph Mbeza, pour toutes ces précisions. M. Henri Timbalanga, votre réaction, biscuit. Je crois que il y a. Une situation qui m'a un peu inquiété, c'est le communiqué signé par Eric Nindou. Ok. Ce communiqué, je ne sais pas le pourquoi d'un tel communiqué, faisant état de l'état de santé de Félix Tshisekedi, président de la République, et expliquant même la nature de la maladie. Alors, moi, je ne sais pas comment comprendre ce genre d'acte. Parce que, vous savez, quand vous rédigez un texte, il faut comprendre l'esprit ou la portée de ce que vous publiez. Est-ce que avait-il compris ce que ça pouvait créer dans l'opinion? Parce que vous voyez maintenant ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous voyez, au départ de ce communiqué. C'est pas dans l'idée de la transparence. Non, attention. Daniel, vous avez récemment vu comment les Congolais réclamaient les présidents. Il est où, il fait quoi. Donc, dans cette optique... Daniel, la politique, c'est la gestion des personnes, avant tout, avant de parler des biens. Des personnes, c'est-à-dire vous gérez les gens qui ont des cerveaux et vous devez savoir qu'est-ce que vous devez leur dire. Vous n'êtes pas obligé d'aller même à expliquer ce genre de choses, parce que même les médecins ils disent que ce genre de choses ce sont des secrets qu'on ne doit pas divulguer n'importe comment. Et deuxièmement, une deuxième inquiétude, il faudrait que Félix Tshisekedi, président de la République, en tout cas, qu'il soit très regardant d'abord dans sa propre cour. Comment expliquer que cet état de choses, cette actualité, a été divulguée plus d'un mois par Perro Louara, avec précision. Et les gens l'ont insulté, mais aujourd'hui, il devient plus grand parce que c'est tout ce que lui avait déjà annoncé, que voilà, dans ces termes-là, de moquerie, je ne sais pas ou quoi, que voilà, l'homme est malade, ainsi de suite. Et il parlait exactement de ça. Donc la gestion de l'agenda du chef de l'État est gérée par des gens. Je veux dire que par des gens qui font un double jeu, qui ne l'aiment pas, mais qui sont avec lui. Parce que quand il y a des situations aussi sensibles que ça, et que ça vous sort, non, il y a un problème dans le milieu. Il faut avoir le courage de vider sa cour pour ne composer qu'avec des gens. C'est pourquoi je dirais même à Joseph ici, moi, je suis contre ce genre de politique. Vous êtes ensemble, mais au moment opportun, vous commencez à chercher des gens qui n'étaient pas dans votre cheminement. Voilà maintenant les conséquences. Parce que c'est très dangereux. Et aujourd'hui, qui peut encore douter à ce que
Louara est bien introduit même en dessous du lit de Félix. Et il peut manipuler l'opinion à tout moment. Et il peut, alors en ce moment-là, ça devient un danger terrible parce qu'il peut même aller dans un sens qui n'est même pas réel. Les gens vont suivre parce que maintenant, il a du crédit. Alors, le problème, ce n'est pas Pérou Louara, mais c'est plutôt dans le milieu du président de la République. Et maintenant, ça, c'est en tout cas, Eric Nindou qui a signé ce communiqué, il a très mal agi. C'est, bon, est-ce que c'est lui qui a réellement signé? Alors, c'est vous savez, même un chef coutumier, quand il est malade, on ne vous dit pas que le chef est malade. Contrôle médical, ça suffit. Vous en serez informé quand il en sera guéri. Même quand il meurt, on vous garde l'information, le temps de préparer même son successeur. Mais à plus forte raison, un président de la République, déjà un mois avant, l'opinion sait qu'il est malade, il devra aller se faire même l'itinéraire. C'est quand il faut se rendre à Kisangani qu'on nous annonce qu'il est malade. Voilà, mais Perrault en avait déjà fait écho. Alors je pense que ce communiqué-là, j'ai trouvé qu'il n'était pas adapté. Il pouvait le faire, mais... Pourquoi aller jusqu'à détailler même la maladie et la gravité de cette maladie, la ressort à travers ce communiqué. Je ne sais pas comment il conçoit ce que veut dire la communication. La communication. 30 secondes. Allez. Moi, mon professeur de Sciences Po, professeur Niemba, que je salue, nous a appris à faire de la politique sans état d'âme, sans émotion. Aujourd'hui, même par rapport à notre régime, il y a trop de soucis parce que la plupart du cabinet... De nos dirigeants n'ont pas de politologue de formation. Parce que le bulletin de santé d'un chef d'État fait partie des secrets bien gardés. Et détailler même la maladie dans un communiqué. Monsieur Eric Nindou, où est-ce que vous avez appris ça? Je vous aime bien, mais là, vous êtes à côté. Et mentionner même, aujourd'hui même dans les réseaux sociaux, ça devient un sujet de moquerie. On évoque même l'hernie discale. C'est gravissime. Et chacun interprète à sa manière. Oui, c'est ce que M. Harry Tchimbalang a dit. Il faut qu'il y ait des enquêtes pour savoir comment est-ce que ce genre d'informations sensibles parvient à monsieur comme Pierrot Loire qu'on connaît. Bon, je ne vais pas le qualifier ici pour le respecter et le respect de vos téléspectateurs d'immoral ici. Comment est-ce que... Nous savions aussi que non, beaucoup de médias, même étrangers, ont de leur pion dans la cour du chef. C'est au chef de voir. M. Rick Nunes, si moi j'étais le directeur de cabinet du chef de l'État, sans complaisance, il allait être suspendu. Est-ce qu'il décide seul? C'est dans toute une cellule où chaque... Est-ce que c'était sous l'ordre du directeur de politique cabinet? C'est lui qui décide. Il faut se poser la question. Il a quand même donné... C'est tout un cabinet qu'il faut peut-être sanctionner. Daniel, François Hollande, il arrive en Algérie. Le président algérien qui était dans un fauteuil roulant, plusieurs mois, le peuple algérien ne le voyait pas. Mais lui, il entre dans sa chambre, il parle, après 2 heures, il ressort. Le président français dit ceci aux Algériens. Votre président garde toutes ses facultés, il n'a rien perdu. Or, cela n'en était pas le cas. C'est ça la politique. Il fallait gérer ceux qui sont en face de vous. Parce que quand vous sortez un tel communiqué... Mais c'est quoi les dangers? Mais le danger maintenant, vous savez... C'est la peur dans la d'abord, population. D'abord, nous sommes dans quel contexte? De la guerre. Ça commence même à aller vers cette histoire-là de choix de candidat au Sénat. Vous voyez, ça peut capoter sur le président et automatiquement, c'est ça qui devient... Mais oui, ça influe déjà. C'est parce que quand on lance un tel communiqué, il ne s'agit pas de M. Harry qui est malade, mais il s'agit du chef de l'État. D'une institution. Dans quel contexte nous traversons quel moment? Monsieur Harry Tchimbalang, pour ne pas vous coûter, M. Albert Moleka a perdu son poste à l'IDPS à cause, parce que le bulletin de santé de notre mentor Étienne Tshisekedi était dans la rue. C'est pour cela qu'il a été défenestré. Parce que le président effectue plusieurs visites, visites privées, visites officielles, visites d'État. Il fallait se limiter, le président effectue une visite privée. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on prend la première thématique, commémoration du génocide, concept, opportunité. Bon,
les mots, peut-être de ceux qui nous suivent, n'ont pas peut-être eu le temps de comprendre les mots, la signification et l'opportunité. Monsieur Arrigo, je commence avec vous. Bon, le concept, je pense que l'idée, au fait, c'est de faire entendre aussi cette souffrance que le peuple congolais n'a fait que subir depuis des années sous différentes formes. Okay. Mais quant à la forme de ce programme, je n'arrive pas à bien cerner ce concept. Okay. Et je sais que peut-être c'est partant de la manière où Kagame, par exemple, a su vendre l'événement malheureux qu'avait connu le Rwanda avec le génocide de Tutsi, où ils ont dramatisé, ils ont gonflé, et ça a fait une matière qui commence à faire trembler même les décideurs. Ils se disent non, nous sommes coupables. La France, à un certain moment, elle a même reconnu que la France n'avait pas empêché, ainsi de suite. Tu vois. Maintenant, est-ce que c'est pour faire aussi autant que le Rwanda? Ici, d'abord, il faut comprendre que cet événement malheureux-là, c'est arrivé comment? D'abord, ici, il s'agit des fils de ce pays qui sont allés faire des alliances avec l'Ouganda et le Rwanda. Vous voyez, donc ces deux armées-là ne s'étaient pas retrouvées sur le territoire national d'elles-mêmes. Ce sont les Congolais. L'Ouganda était venu, c'est par l'entremise de Jean-Pierre Bemba. Ok. Parce que lui a été parrainé par ceux-là. Et le Rwanda, ça a été couvert par tous ceux qui ont composé la direction civile du RCD, Goma. Là, on voit les Tambwe Mwamba, on voit les Lambert Mende, on voit tout ce monde-là, les Mbosso et autres. Vous voyez que c'est déjà à l'origine des deux événements-là. Ici, ce sont les enfants, les fils de ce pays qui sont allés chercher ces armées-là. Et quand ils ont eu comme maintenant occasion de se retrouver sur ce sol, et voilà que en se battant pour leurs propres intérêts et non pas les intérêts de ceux-là qui sont allés les chercher. Voilà maintenant les conséquences. Et je vois très mal, et normalement, à ce genre de commémoration, je m'excuse de le dire, mais tous ceux qui sont membres de ces partis-là, qui étaient parrainés par ces deux armées, ils devraient, par respect de nos morts-là, ne même pas aller à cette commémoration-là. Okay. Parce que vous y allez pour dire quoi? Pour faire quoi? Parce que vous êtes les auteurs de ce que l'on commémore aujourd'hui. Quand Laurent Désiré, il se retrouve dans le début des accords, il dit à Jean-Pierre Bemba, « Fils, tu es allé encore chercher ces gens-là. » Bemba lui dit, « Mais oui, les mêmes qui t'ont amené à Kinshasa, ils vont aussi me ramener à Kinshasa. » Et aujourd'hui, tous ceux qui ont été parrainés par, qui étaient partis chercher, et les Ougandais et les Rwandais, qu'est-ce qu'ils font à Kisangani? Ils vont commémorer quoi? Mais non, à un certain moment, il faudrait que le Congolais prenne conscience. Mais l'idée est quand même bonne. L'idée, la démarche. Oui, je l'ai bien dit, l'idée de commémorer, parce que vous savez, nous, on nous a assez tués, non seulement à Kisangani. Même quand on compte les morts là, non, on doit arrêter. Et tous ceux qui meurent en brousse, en fouillant là, les cadavres pourrissent et finis, qui comptabilise? Okay. Il n'y a personne. Donc, on doit prendre ça de façon globale. Et on n'a même pas besoin de chercher à dénombrer les morts. Parce qu'il y en a qui se font même dévorer. Parce qu'en fouillant, vous vous retrouvez dans une forêt, et si vous tombez sur une bête féroce, qui viendra comptabiliser ce mort-là? Alors, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Mais à quelque part, quand on doit aller, on doit le faire avec profondeur, avec précision.
Et pour que ça ne se répète plus, on ne doit pas accepter que le sorcier qui a bouffé, c'est lui qui a étalé là comme cadavre. Il vient encore là en costume. Pour pleurer. Même pas pleurer, il devient encore plus riche. Parce que c'est partant de tout ça que je pense qu'on devait même aller plus loin pour que les Congolais qui ont participé à ce genre de choses ne devraient même plus se retrouver dans des institutions. Parce que tenez, c'est devenu d'ailleurs comme une facilité. Pour être ministre, il faut aller faire des histoires à l'Est. C'est là même le problème qu'on retrouve maintenant dans les négociations. Si Félix Tshisekedi s'oppose à négocier en tête à tête avec les M23, c'est parce qu'il y a plus de 10 points, je vous dis des points très bizarres, que personne ne peut accepter. Sinon, ça va continuer. Oui, on va commémorer. Mais après, ceux qui ont été à la base, ils sont les ministres, ils continuent, ils n'ont jamais quitté le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Henri. Donc, je chute en concluant que l'idée a toute sa valeur. Parce que tout un chacun, au jour où il a perdu même un seul enfant ou un ami, il a toujours ces sentiments-là de tristesse. Oui. Ah, en ce jour, je me rappelle d'un ami. Vous voyez, donc c'est pour dire l'idée est géniale, mais la façon, la conception n'est pas encore au beau fixe. Merci beaucoup. Alors, monsieur Joseph, mais à vous également, comment avez-vous, c'est quoi l'essence de cette journée? Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions et de colère. Parce que je me souviens, parce que d'abord, dans la symbolique, la date du 2 août. C'est le début de l'entrée des armées monoethniques ougandaises et rwandaises dans la ville de Goma. C'est le début de la guerre de 2 août, où il y avait les Eondekande, les Mende, les Tamwemwamba, les Rubéroa, les Nyarugabu, tous ces gens. Mais aujourd'hui, ils sont toujours là. C'est triste. Moi, je suis d'accord par rapport à la justice transitionnelle. Hein. Il faut qu'on juge, il faut qu'à un moment, qu'on puisse établir les responsabilités de tout un chacun. Vous savez... Au niveau inter, c'est ça? Oui, oui. Okay. Ouais. Parce que cette histoire, bon, je vais l'évoquer peut-être plus tard. Alors, cette guerre a fait 6 jours seulement. Et il y avait plus de 6000 bombes largué dans la ville, dans notre chef-lieu de la province de la Chopo. 6000 bombes. Et c'était aux environs de petites heures du matin, des heures fixes. Imaginez que les enfants sont allés à l'école, les mamans ont marché, les papas au travail, et il y a des bandits dans la ville, de Kisangani. Vous imaginez? Mais une indifférence de la communauté internationale qu'on ne sait pas décrire. Alors, moi, je félicite le travail. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais il y a beaucoup de Congolais, même de la société civile, qui ont milité pour que cela puisse avoir le jour. La première fois, c'était ici, sur la place des Évolués, et aujourd'hui, c'est dans la Chopo. Et nous avons vu la Madame la Première Ministre et Son Excellence aller déposer sa gerbe de fleurs pour des raisons de la mémoire collective en tant que Congolais, pour que nous puissions nous souvenir de cela. Et que cela puisse avoir aussi de l'écho, je suis d'accord avec M. Tshimbalanga, sur le plan international, pour que du moins, parce que qu'on dise que non, mais ça n'est de trop. Et nous étions endormis, parce que même eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire à notre place. Et c'est un premier pas, mais il faut donner plus de contenu à cela. Il ne faut pas oublier aussi Kakubola, qui est là où il y a eu de massacres. Vous voyez? Et aujourd'hui, ça continue. Mais à l'indifférence de la communauté internationale. Okay. J'aurais même appris, c'est l'année passée, que de Congolais et certains Africains allaient organiser une grande conférence sur le génocide en RDC. Ça leur a été interdit par la France, qui a influencé l'Union européenne pour que ce genre de conférence ne se tienne pas sur l'espace de l'Union européenne. C'est comme si on veut nous fermer la bouche sur notre propre drame, notre propre tragédie, qui n'est pas causée forcément par nous, mais par des puissances extérieures, dont certaines puissances sont impliquées dans ce qui se passe à l'Est. Je suis d'accord qu'il y a des Congolais qui font
qui ont été à la base de ce qui nous est arrivé. Il faut commencer aussi par notre frère, Laurent Désiré Kabila, qui a accepté d'être à la tête des armées monotoniques rwandaises et ougandaises, même burundaises, pour venir ici. En réalité, ce n'est pas... Il n'était qu'une marionnette, voilà le terme qui convient. Alors, que cela nous serve de leçon pour dire, mais aujourd'hui, Nanga est allé encore sur le même chemin. Donc, au fait, nous sommes dans c'est une répétition, c'est un peu cyclique, que ces gens-là trouvent toujours de moyens pour nous amener sur la même recette, le même schéma. Aujourd'hui, il faut dire non. Je suis d'accord avec M. Tshimbalanga parce que l'accord qu'on veut nous prendre là... M. Henri parle de l'essor réservé aux auteurs, c'est ça le mais problème. Il faut, c'est pour cela qu'il faut une justice transitionnelle, il faut une justice à l'interne. Mais c'est avec ça. Qui mais pour tard, mettre aujourd'hui, fin... aujourd'hui, je suis d'accord avec tout ce qui se passe sur le plan politique, il est difficile. Par rapport à certaines alliances qui sont conclues aujourd'hui, il faut dire la vérité comme ça. Mais un jour, il doit y avoir des Congolais qui s'élèvent pour dire, même ceux-là qui seront morts, il faut qu'il y ait quand même un jugement par défaut, même par contumace, même dans sa tombe-là, on doit établir sa responsabilité. Parce que nous-mêmes, Congolais, nous prêtons des armes parce qu'ils ne peuvent pas venir sans nous. Ils nous prennent, nous, et puis ils disent, c'est eux. C'est eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est là où le Congolais, nous devons grandir. Dans aucune nation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le problème aussi, on n'est pas parvenu à créer un État-nation sur lequel nous tous, nous pouvons converger et cogiter pour dire ça, jamais. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les Nangalais de l'autre côté, pour vous dire que non, il y a un problème de civisme et de patriotisme. Donc, c'est un début, mais qui doit prendre forme et on doit beaucoup vulgariser sur ça. Moi, je suis très déçu de M. Patrick Muyaya, je dois l'évoquer. Allez-y. Mais pourquoi attendre le 2 août pour qu'on en parle? Ça devait faire l'objet de la communication en permanence. Bon. Apprendre à nos enfants, même dans les universités, même dans l'école, ce qu'il y a eu. Mais on profite seulement dans cette petite brèche-là pour en parler. Après le 3, ça sera autre chose. On oublie. On oublie tout. Pour construire une mémoire collective, ça doit faire l'objet d'un travail à se dire. Il y a la société civile, surtout vous les journalistes, vous devez être mis en contribution, associé à cette entreprise. Pour que le Congolais, parce que l'information doit arriver au Congolais, parce que est-ce que le Congolais savent qu'il y a eu plus de 6000 bombes qui ont été jetées pendant 6 jours? Il faut en parler, mais vous profitez d'en parler seulement pendant. Mais ce n'est pas normal. C'est là où il y a la faiblesse de communication pendant notre régime. On doit faire l'objet d'une communication en permanence. Oui, il y a un effet qui est de... Briefing. Moi, ça devient un peu des habitudes et puis les gens sont fatigués de ça. On veut autre chose. Il faut qu'il y ait des documentaires. Il faut qu'il y ait des plateaux spéciaux. Il faut qu'on vous associe d'autres médias, des journalistes indépendants, pour vous donner de la matière et vous donner des moyens. Ils nous disent qu'il n'y a pas de moyens et tout ça. On n'a pas de choix. Alors, monsieur Henri Tshimbalanga, monsieur Joseph a évoqué un point. Comment éviter les erreurs dans les prochains jours? Parce qu'on voit Nanga qui s'élève également pour signer des accords et ainsi de suite. Mais jusqu'où les Congos va-t-il plaire ces morts? Vous avez condamné les auteurs qui sont nos frères. Il y a d'autres frères qui sont dans la même démarche. Daniel, nous sommes un pays qui demande à ce que... On recommence à zéro. On trouve d'abord une stabilité politique interne. Vous savez, Joseph, en parlant ici, il a effleuré un aspect qui fragilise même le régime actuel. Oui. Ça voudrait dire du fait que tout est encore dépendant des alliances politiques. Il est vrai que dans cette dimension-là, il n'est pas facile de prendre par une bonne justice un allié de taille. Ça pose sérieux problème. Parce que la politique en soi a toujours eu, dans le monde entier, une certaine ascendance oui. sur la justice. Regardez par exemple aux États-Unis, des fois... On s'arrange avec des criminels, on dit si vous collaborez, bon, t'es la justice, faites plaider coupable et puis ainsi de suite. Donc c'est-à-dire, nous sommes dans un contexte où notre nation est encore fragile par le fait que nos politiques qui sont en train de travailler de manière à ce que
l'intérêt égoïste soit beaucoup plus mis en branle par rapport à l'intérêt général. Okay. C'est d'où on a des sérieux problèmes à ce que le pays soit véritablement mis sur les rails. Mmh. Regardez par exemple, nous sommes ici en État, nous parlons frustration. Mmh. Mais vous savez que c'est un sérieux problème. Tous ceux qui se disent ici, oh, nous, nous sommes aussi frustrés, mais nous ne sommes pas allés prendre les armes. Mmh. Est-ce qu'en réalité, le combat est démocratique. Vous n'êtes pas allés prendre, c'est par manque d'opportunité, ou bien vous êtes convaincu vous-même que vous ne pouvez pas y aller. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Vous voyez? Donc, dans tout ça, il faudrait qu'on commence, qu'on travaille d'abord sérieusement en interne. Mmh. Que nous soyons consciencieux nous-mêmes. Regardez même quand nous avons des difficultés pour maîtriser l'Est. Benzala dit ici, les autres ne viennent que aussi par nous. Ils entrent par nous. Mmh. Mais si nous, on est aussi solides, il est très difficile que ce soit les États-Unis. Mais ils ont échoué au Cuba pour évincer Fidel Castro. Ouais, ouais. Alors que la CIA avait conçu 688 scénarios contre Fidel Castro. Et ça avait échoué. Mmh. Vous comprenez? C'est parce qu'en interne, Castro et tous les Cubains, ils avaient conscience que notre ennemi, ce sont les États-Unis. Okay. Ils ont eu à contacter même les ex-maîtresses de Castro. Mais quand elles arrivent dans le précaré de Castro, elles avouent. Elles disent que non, on ne peut pas trahir notre pays pour ces gens-là. Voilà, ils nous ont donné autant mais pour venir t'empoisonner, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes, nous, à mesure de manifester cela? Non. C'est pourquoi nous allons continuer dans des difficultés que nous pouvions nous-mêmes résoudre. Tenez, je ne cesserai de le répéter. Notre armée est victime du mauvais comportement de nos politiques. Regardez bien ce qui se passe dans l'armée. Il n'y a pas l'esprit de corps. Il y a jusqu'aujourd'hui de nos militaires qui se disent « Ate, biso toi battu à Bemba. Ate, biso toi battu à Kabila. Ate, biso toi ça. » Et vous pensez que même si on donnait du matériel le plus sophistiqué à cette armée, dans cet état d'esprit, c'est pourquoi je venais d'évoquer que dans ce contexte de nos alliances politiques, on est un peu fragile. Il suffit que vous attaquez par exemple Jean-Pierre Bemba. Sachez qu'au sein de l'armée, il y en a qui vont dire rien. Ah, oh yo. Non, nous, on n'est pas d'accord. Okay. Quand vous attaquez, il y a quelque chose contre Joseph Kabila. Il y a de ces militaires-là qui disent que... Il y a ceux qui pensent que s'il a été écarté à la défense, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises accusations à son endroit. Mais tout cela, quand vous allez dans le fond, vous trouvez aussi des choses qui ne sont pas vraies. Okay. Il faudrait que nos politiques prennent leurs responsabilités pour élaguer cette sorcellerie noire-là qu'ils ont ancrée dans la tête de nos militaires. L'armée est devenue politisée à outrance depuis 1+4. Dans les régions militaires, on a le commandant en chef, il vient proposé par le PPRD. Le commandant second, il vient du MLC. Le suivant, cet état des choses, un militaire qui se dit, moi je suis dans ces fonctions, c'est au nom de mon parti politique. Et pourtant, chez nous ici, les militaires sont l'armée apolitique. Et à quel moment nos politiques vont vraiment en tenir compte, en parler, pour essayer de retirer cet état et bannir cet état de choses? Daniel, je vous dis, notre armée a connu la décadence d'abord sous Mobutu, dès lorsque Mobutu a quitté la défense. Merci. Et on a perdu l'esprit de corps. Et aujourd'hui, nous sommes sous un pacte négatif de ce comportement-là qui est parti de 1+4 jusqu'à aujourd'hui, c'est dans les têtes de nos militaires. L'essor de victimes, bon, après moi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je suis d'accord avec monsieur. Bon, aujourd'hui, on converge, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera en divergence. Je le souhaite jusqu'à la fin de l'émission. Très bien. La plupart de ceux qui sont avec, qui ont rejoint Kagame et qui sont congolais, sont fauchés, endettés, la plupart. Okay. Ce n'est pas pour le peuple, c'est pour des besoins de positionnement. Ils savent que non, la seule voie pour
faire un raccourci pour arriver au pouvoir, c'est d'aller rejoindre une rébellion, et il y aura négociation, il y aura une loi d'amnistie, et puis on va intégrer les institutions. Ça, il faut bannir. C'est une question encore d'actualité. Mais ça. Si, on va en parler, c'est d'actualité. Merci beaucoup. Fait, là où je suis avec lui, nous, le pouvoir, ici je parle en tant que pouvoir, nous avons hérité d'une armée, je suis d'accord avec lui, mosaïque et hétérogène. C'est la mixture, le mélange de phases, AFDEL, RCD Goma, RCD KML, RCD National, CNDP M23. Okay. Or, normalement, une république suppose une armée républicaine qui sont formées sur base d'une éducation civique et patriotique. C'est ce qui est en train d'être fait, mais ça prendra combien de temps? Okay. Et selon les informations, la plupart de nos officiers et soldats se connaissent avec ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'ils proviennent de l'AFDEL. Alors, comment gagner une guerre? Posons-nous la question, réfléchissons, tu vois, c'est tout le problème qu'on a dans cette armée. Donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent, surtout ce que vous avez évoqué, le sort des victimes. J'ai été choqué, estomaqué, d'apprendre une fois de plus par M. Constant Moutamba, l'argent pour l'indemnisation des victimes a été détourné. Il y a eu une gestion. Et pendant, qui était ministre de la Justice? Madame Rose Mutombo, une femme. C'est désolant, madame, vous avez déçu les femmes. De l'UDPS. Elle n'est pas de l'UDPS, elles viennent de mouvements féminins, CAFCO. Okay. Elle n'a jamais été dans le quota de l'UDPS. CAFCO, ces gens de... Elle était présidente. Elles ont fait beaucoup de bruit. Maintenant, on vous dit, gérer la République. Mais c'est du n'importe quoi. Et maintenant, là, imaginez-vous, on a atteint un niveau... de la mauvaisité du cœur qu'évoque le professeur Kambay Boacha, que l'argent de l'indemnisation de ceux qui ont perdu parents, enfants, hein, vous le détournez. Mais finalement, c'est là le problème des Congolais. On ne comprend plus rien, finalement. On te donne une parcelle de responsabilité. Gère bien l'argent. Je ne dis pas l'argent de forage et de lampadaire. Mais je dis l'argent pour indemniser des victimes, des gens qui ont perdu le leur. Mais il faut être un extraterrestre pour faire ça. Et maintenant, c'est la justice qui doit entrer en bras. C'est compliqué. Alors, maintenant, quand ces gens-là voient maman Premier ministre, cet argent ne va pas régler leurs problèmes, mais c'est pour soulager leurs souffrances. Mais cet argent est détourné une fois de plus. Bon, je me limite par là. Merci beaucoup. On prend la deuxième thématique, c'est le fait RDC Rwanda, quelles concessions faire des parts et d'autres, Monsieur Henri. Daniel, d'abord, nous sommes pratiquement au sixième cessez-le-feu dans cette histoire. Et d'abord, à ce niveau-là, je dénonce une certaine complaisance. Complaisance, pourquoi ? Chaque fois, nous ne voyons que les communiqués signés FARDC. Voilà, nous prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale que les rebelles ont violé les cessez-le-feu. Et il n'y a jamais eu de réaction de la part de ceux-là qui soutiennent les voilà. Processus. Et maintenant, cette histoire de négociation où tout est en faveur du Rwanda. J'ai suivi il y a quelques jours, un certain Jean-Pierre Dikoma Kitenge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cadre de l'UDPS qui a beaucoup évolué depuis la nuit des temps au fief de l'UDPS à Mbujimayi. Voilà ce qu'il révèle et de pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas de ces négociations-là directes avec le M23, entre autres. Okay. Ils ont énuméré une dizaine de points, dont je cite un peu rapidement. Vous ne fermez pas les frontières avec le Rwanda. Il n'y a pas question de mur. Pas d'accord avec la Russie. Les Benyamouling doivent être représentés dans nos institutions. Ils doivent avoir un quota. Je pense que Vital Kamerhe s'est même expliqué au Canada sur ce point-là. Vous comprenez au moins que ces négociations n'ont rien à voir avec l'intérêt de la RDC. Pas de peine de mort. Pas de guerre. Vous avez ici posé la question. Le sort des victimes. Oui. Mais s'il n'y a pas de justice cohérente, dites-moi. L'argent, oui, Joseph l'a dit.
mais la douleur. Donc, on impose que la diplomatie. Vous ne faites pas la guerre au Rwanda. Vous avez vu des communiqués. Et puis, des points graves, c'est quoi? Il faut, ça ne se passe pas bien, il faut bouger les frontières à l'intérieur de la RDC, au bénéfice du Rwanda. Et souvenez-vous que jusqu'aujourd'hui, l'Ouganda, depuis que l'Ouganda avait déplacé les bornes à l'intérieur de la RDC, qui en parle? On n'en parle pas. Les rapports des experts. Mais les rapports, d'accord. Impliquant mais... le Rwanda, les silences. Mais c'est ça. Pourquoi c'est, on... Donc, en quelque sorte, ça nous prend déjà les portions de notre territoire national. Et quand pourquoi, on va jusqu'à mais pourquoi imposer... on est tendre vis-à-vis de l'Ouganda et on menace alors que sur le terrain... Écoutez, Daniel, quand ils vont jusqu'à demander, à imposer à la RDC d'accepter d'anéantir le FDLR, vous savez que c'est une corde au cou. Oui. Parce que eux-mêmes, les Occidentaux, vont aller en cache-cache, notamment surarmer les FDLR. Mmh. Et maintenant, on vous dit, vous avez pris vos engagements, vous devez vider les FDLR pour que Kagame n'ait plus d'alibi. Vous allez vous retrouver encore en guerre interminable. Vous à l'interne, aujourd'hui, maintenant. Demain. Non, les FDLR sont des Rwandais. Mais ça sera oui, sur les sols congolais. Voilà, mais ils sont ici chez nous. Et puis encore, on exige que la RDC doit accepter d'accueillir les 100 000 réfugiés rwandais qui sont congolais qui sont au Rwanda. Qu'est-ce qui nous prouve que ce sont les Congolais. Donc on va déverser 100 000 Rwandais ici. Rwanda est à la recherche des terres par-ci, par-là. Oui. Récemment, il était en Zambie. Ça veut dire que tous ces accords ici... Ça va dans tous sens, mais l'objectif pour eux, c'est prendre des terres à la RDC, au bénéfice du Rwanda et très du bien. Rwanda. Donc, La démarche, elle est biaisée. C'est pourquoi, quand ils laissent les M23 hors les signatures qu'il y a eu là-bas en Angola, c'est pour continuer la guerre à travers les M23, disant que non, nous ne sommes pas concernés à ce cessez-le-feu là-bas. Ce jeu-là, on l'a vécu. Et ils vont continuer la même guerre à travers ce motif-là. Mais avant d'accorder la parole à M. Joseph, vous avez énuméré le préalable de nos ennemis. Alors, quelles sont les exigences de la RDC par rapport à tout ça? Malgré leur cahier des charges, on est quand même à la table des négociations. Oui, on est à la table. Est-ce une faiblesse? Je ne comprends pas. Oui, Daniel, il faut qu'on se le dise. La RDC n'a aucun soutien à l'extérieur. Alors, ce n'est pas, je ne sais pas comment un tel jeu où on est seul face au monde entier. Même les médiateurs sont contre la RDC. Et le président l'a dit avec Ruto. Oui, il l'a dit. Mais vous savez, encore dans la feuille de route de l'Ouganda, Luanda, ça nous retourne Luanda. De Luanda. On retourne encore que conformément aux accords de Nairobi. Vous comprenez comment il y a les jeux dans les textes. Or, Nairobi, merci. Ce sont les Tutsis. Oui. Ils ne seront jamais pour les Bantous de la RDC contre leur frère Kagame. Les doubles langages de la communauté internationale, pas de guerre, les fronts diplomatiques, les autres ont salué. Alors, à quoi peut aboutir cette démarche où on nous impose de négocier? Vous imaginez que M. Kagame nous a chanté pendant des années que c'est une affaire entre Congolais. Mais qui signe l'accord de cessez-le-feu? C'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ok. Mais ça doit nous interpeller. Monsieur le Président de la République, écoutez du moins ma voix, même si ça ne pèse pas parmi ceux que vous écoutez. Je suis contre cet accord de cessez-le-feu. Okay. J'ai été contre la trêve... Humanitaire, parce que ça n'a pas existé, on n'a pas vu l'aide humanitaire. On a accordé le temps aux autres de se positionner, de se ravitailler. J'en arrive. Monsieur le Président de la République, comment expliquer? Ici, nous avons deux niveaux, niveau bilatéral et multilatéral. Mais au niveau multilatéral, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance supérieure pour régler les conflits mondiaux, reconnaît qu'il y a 4 000 soldats rwandais sur le sol congolais. Et la plus avérée de l'Ouganda. Mais il n'y a pas de sanctions. Mais
Il y a violation de la charte des Nations Unies. Est-ce que nous comprenons les enjeux? Les États-Unis, c'est l'ennemi numéro un, je me permets de le dire sur votre média, impose une trêve de 15 jours, deux fois, mais incapable de dire à Kagame de cesser les feux. De foutre le camp de la RDC. Des violences, ils ont violé les cessez-le-feu à plusieurs reprises. Donc c'est pour vous dire, c'est un complot maintenant. En tant que Congolais, nous devons maintenant là, avec cet accord de cessez-le-feu, de se dire, nous sommes seuls. Et nous devons retourner chez nous-mêmes prendre pour avoir position. Quelque chose de consistant. Mais je veux évoquer, en 1939, Albert Einstein écrit à M. Roosevelt, ça commence pour dire, je vous épargne 1885-1884. Récemment ici, 1939, il dit à M. Roosevelt que cette partie du Grand Lac devait être contrôlée par les États-Unis, surtout le pays de Congo. Si nous ratons, si nous n'avons pas l'impérium sur cette partie-là, nous allons tout perdre. Et M. Henri Kissinger en a fait aussi mention en 1975. Le premier ministre Shamir, en 1983, d'Israël, il dit aux représentants du Zaïre de l'époque là-bas, il dit, mais vous, le Zaïre, vous êtes une injustice naturelle de Dieu par rapport à nous autres. Vous êtes un scandale géologique, mais sachez-le que vous êtes à côté des puissants qui ne vous laisseront jamais en paix. Devenez puissants, devenez forts. Ça, c'est un message interpellateur. Pour vous dire que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Et il y a deux solutions. Il y a ce qu'on appelle en géographie politique le sentiment d'appartenance territoriale. Tout Congolana, de partout. Maintenant, il faut aller dans le lac patriotique. C'est là que se trouve notre fibre patriotique. Et les Congolais sont capables de le faire. Parce que pour vaincre ces gens-là, ils sont plus puissants que nous. Ils pèsent des 1000 milliards de dollars par rapport à leur défense, parce que c'est eux qui soutiennent le Rwanda via leur multinational. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire éteindre, c'est l'élan patriotique. Et le go devait être donné par les dirigeants. Je vais donner un exemple pour vous. Quand la France a envahi l'Indochine, le général, je crois, In Kim, je crois, ou bien les sens inverses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé son peuple face à l'armée française. Et en 1956, si je m'abuse, la France a connu un échec cuisant. Et puis les Américains, par rapport à la guerre de Vietnam, là c'était M. Kennedy. C'est le peuple qui est l'élément déterminant pour mettre fin à cela, la mobilisation. Là, il faut une communication de guerre, une attitude de guerre. Mais regardez, nous sommes dans des concerts, dans des distractions. Même ces gens-là, nous ne prenons pas au sérieux. Tantôt c'est Mike Alamaï, tantôt Moïse Kat, et Moïse Mbi, et tantôt c'est le Gaulois et les machins. Regardez notre attitude dans nos grandes villes. C'est comme s'il n'y a rien qui se passe dans ces pays. Moi, je suis contre tout ce qui se passe. Okay. Ici, je ne suis pas teinté de l'UDPS, mais je suis Congolais qui réfléchit à haute voix. Et l'impulsion doit être donnée, pas par des politiques, mais par la société civile et le mouvement citoyen, les mouvements étudiantaires et les mouvements féminins, pour pousser les gens à siéger les ambassades de ces gens-là. Il vous souviendra ici, quand ça commençait à barder là-bas, quand on a attaqué le camp de Mungonga, les gens sont sortis dans la rue. Ces gens ont eu peur. Mais j'étais contre M. Peter Kazadi quand il a stoppé le mouvement. On pouvait encadrer, mais pas stopper. Okay. C'est là que je rejoins les recommandations. Ces gens-là, ils veulent nous mettre à genoux définitivement. Alors pour sortir de cela, c'est le peuple qui est l'élément déterminant. Ok. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, M. Henri, nous avons encore quelques minutes. Vous avez soulevé les quelques recommandations du Rwanda par rapport à leurs négociations. Mais nous avons vu des sanctions. Et nous avons également vu les communiqués après la signature de ces cessez-le-feu, les M23 et l'AFC qui refusent, ils ne sont pas concernés dans cette démarche. Donc, quand on finit avec le Rwanda, ce sont nos frères qu'on va... Vous voyez que ça devient un peu compliqué. Daniel, il faut faire un petit effort pour comprendre le joueur et son jeu. Il sanctionne soi-disant le Rwanda, et puis après il sanctionne les Ouazalindo, vous le savez. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que les FRDC
Le gouvernement congolais combine avec les Wazalendo. Alors, comment vous pouvez comprendre l'attitude de ces gens-là? Vous savez que l'Union européenne a nommé... Oui, très important. On décrète, on demande, on exige les cessez-le-feu. Pendant ce temps-là, l'AFC M23 refuse. Je vais encore enfoncer là-bas. Vous savez, quand on a pris Rubaya et les autres localités, nous sommes maintenant à une quatre-vingtaine de localités, c'est ce qui a fait même dire à Bintou Keïta, au niveau du Conseil de sécurité, que non, 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 la RDC maintenant doit négocier avec le M23 en direct, parce que le M23 occupe un territoire plus vaste que le Rwanda, plus vaste que le Burundi. Vous comprenez le jeu de ces gens-là. L'Union européenne a récemment nommé un ambassadeur dans la zone d'Afrique centrale. Mais écoutez maintenant dans la mission de celui-là. Quand on parle de la zone de l'Afrique centrale, oui, on prend Rwanda, Burundi et la RDC. Mais curieusement, pas la RDC de Kinshasa, mais la RDC dans sa région Est. C'est-à-dire, dans leur esprit, ils considèrent que l'Est n'est plus un espace appartenant au territoire congolais. C'est pas dans les termes des zones à haute tension. Non, mais écoutez, conflits et autres. Nous avons des principes. On a, parmi nos éléments de souveraineté, nous avons la monnaie, nous avons la défense, l'armée. Ouais. Mais dites-moi, dans ces zones-là, la monnaie nationale, le franc congolais ne circule pas. Les FRDC n'y sont pas. La police. La police nationale congolaise n'y est pas. Et maintenant, les compatriotes qui vivent dans cet espace-là, ils sont dans quel pays? Ok. En quoi sont-ils encore liés à la République démocratique du Congo? Donc, ces gens-là, les Occidentaux, ils sont déjà dans une autre vitesse opérationnelle. Mais maintenant, c'est question des terminologies qu'on est en train de nous tourner comme ils le font là, pour nous dire, non, ici, on négocie comme ça, on sanctionne là, et puis après, on va derrière vous, on dit on sanctionne aussi, on dit qu'on sanctionne, ce n'est pas la RDC, mais les groupes armés qui sont en RDC. Mais pendant qu'ils disent en même temps que le gouvernement congolais, vous êtes en train de négocier, vous fonctionnez avec les certains groupes armés. Donc, vous n'allez, on ne va rien comprendre si nous suivons les communiqués de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, moi je pense que l'option militaire, la RDC a l'obligation de se battre, de se mobiliser sur tous les plans. Monsieur Joseph appelle l'opinion publique. Et je dirais même dans le même. C'est de là que je dirais même pourquoi on nous interdit de parler de ce qui se passe. Comment on va se mobiliser? C'est ça encore un peu une erreur de nos autorités ici. Si les États-Unis ont échoué au Vietnam, c'est à cause de la mobilisation. S'ils ont échoué au Même Cuba, au Mali, au Burkina, aussi, au Niger. C'est la mobilisation. Mais ici, chez nous, on interdit les Congolais de parler de ce qui se passe à l'Est. Comment nous allons nous transmettre les positions à prendre? Ronald Reagan disait, dans notre arsenal, on n'a aucune arme qui soit plus efficace qu'un peuple uni et en colère. Ok. Mais Albert Einstein, que Joseph a évoqué, c'est bien lui, dans une autre lettre, il écrit à Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale pour lui dire que j'ai une formule de scission nucléaire, mais la matière qu'il faudra utiliser, c'est au Congo belge. La lettre a pris 30 jours pour atteindre le président Roosevelt, et dès qu'il a eu, il fait venir Albert Einstein, qui avait fui l'Europe parce qu'Hitler le cherchait pour le tuer, puisque lui, c'était un juif, mais quand il a fui, il est allé aux États-Unis, il a pris la nationalité américaine. Et voilà, ils ont donc la formule, on envoie les Américains venir prendre l'uranium en RDC ici à Chinkolobwe. Okay. Et ça, c'est ce qui a fait que les États-Unis, depuis lors, une puissance incontestée. C'est nous. C'est la RDC. Alors, il faut qu'en interne, on soit beaucoup plus mobilisé. Mmh. On sera plus puissant que tous ces gens-là. Sinon, nous risquons de tourner en rond en suivant ces gens ici qui nous font des communiqués pour nous distraire. Mais pendant que sur le terrain, Félix l'a dit, mais sur le terrain, ils font le contraire. Okay. Et nous perdons le pays comme cela. Aujourd'hui, à Goma, les gens commencent même à dire, ah, on est fatigué. On ne vient pas nous libérer. Ou soit qu'on nous laisse que ces gens-là nous prennent parce qu'on ne sait plus vivre. Okay. Vous comprenez au moins ce que devient maintenant le Congolais. Il ne sait plus à quel sens se vouer. D'où il faut créer un mécanisme de mobilisation générale.
Monsieur Joseph l'a dit, nous avons une armée qu'il faut bien structurer, qu'il faut beaucoup soutenir, il faut beaucoup donner les moyens, vous l'avez également dit. On retient quoi? Il nous reste dans deux minutes. Moi, ce que je veux, il n'y a que la guerre qui peut... C'est la guerre. Quels que soient les prix. Hein. On doit faire la guerre. Il n'y a pas... Vous savez, quand les FARDC prennent prennent un peu de la supériorité, de la hauteur sur le Rwandais, vous allez voir Tony Blinken monter au créneau au département d'État pour dire non. Stoppez. Fais des routes de Luanda et de Nairobi. Même Bintou Keïta et les autres. La... Mais quand c'est eux qui prennent le dessus sur nous. Par rapport au mécanisme de suivi de cette histoire. Non, il y a des. Je vous dis, monsieur Daniel, en tant que Congolais patriote, c'est une histoire qu'on doit rejeter directement. Ça parce peut qu'il s'agit. Prendre jusqu'en 2028. Il s'agit, tous ces temps, vous savez, en géostratégie, l'erreur qu'on a fait d'arrêter la guerre, de donner le ton au Rwanda, de se réorganiser, d'avant, de se positionner. Avec les élections. Ce qui nous fera, oui. ce qui nous sera difficile, quand on voudra récupérer, il y aura plus de morts. De morts. Là, je parle en connaissance par rapport à la science. Il vous souviendra que le président de la Pologne, bien qu'ils se sont rebiffés, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui attaque le Rwanda, nous intervenons militairement. Récemment ici. Il s'est répandu. En plein... Non, il ne faut pas suivre. Ils sont hypocrites. En plein conseil de ministres, le représentant des États-Unis dit quoi? Recommandation à l'RDC de neutraliser le Rwanda. Parce qu'ils savent que la solution viendrait de ces gens-là. Pour contrer les velléités de multinationales et du Rwanda et de l'Ouganda. Pas des sanctions, mais on sanctionne des mini-frétins, des marionnettes comme Nanga. Même Nanga, Yopesusu Nanga, Bato Basineza Binote. Donc c'est une autre personne qui signe et que c'est vous qui revendiquez, mais vous êtes des marionnettes. Vous avez montré à la face du monde que vous n'êtes que des pions qu'on utilise. Donc moi je suis de ceux-là. Un peuple se libère par la guerre, par la résistance. Il faut mobiliser la population. Le président peut se dire, moi je n'ai envoyé personne. Mais il sait que c'est lui. Le président n'a pas besoin d'apparaître. Mais on peut utiliser beaucoup de canaux pour mobiliser la population. Parce que sur le plan étatique, vous êtes avec eux. Mais sur le plan, vous n'êtes pas avec eux. On ne peut pas le dire ici à la télé. Il y a moyen. Souvenez-vous quand Gomme était tombé, qui était dans la rue? C'est des étudiants. Merci beaucoup, monsieur Joseph Meza. Monsieur Ri, à vous également. On retient quoi dans une minute? Il nous reste. Je crois qu'on ne peut jamais faire confiance en cette communauté internationale. La MONUSCO, encore, c'est pire. 20 ans, plus de 20 ans. Et ils vont rester, RDC, hein? Ils vont déjà rester. Ils n'ont jamais neutralisé, ne serait-ce qu'un seul groupe armé à l'est de la RDC. Ils sont là pour le maintien de la. Donc, le problème, c'est à nous seuls, Congolais, de se concentrer, d'être inventifs et se déterminer une bonne fois pour toutes. C'est ainsi qu'on pourra arriver au bout. Sinon, il n'y a jamais de pitié dans ce monde-là d'intérêt. Voilà. C'est terminé pour cette semaine, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Joseph Mbenza. Merci beaucoup, messieurs Henri Timbalanga. Bon week-end à tous, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous présenter ces magazines. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.